qui ont très belle allure et qui sont très prometteuses en gymnastique, rythmique. Alors que maintenant, nous allons retrouver Cédric Guille, qui revient auréolé d'un titre de champion aux Jeux méditerranéens, titre par équipe. Il a terminé également deuxième au concours général. Vous avez vu donc que nous allons suivre la barre fixe avec Cédric Guille, le cerceau en gymnastique rythmique et bien sûr le sol féminin avec une certaine Ludivine Furnon. Oui, et si nous avons choisi de présenter la barre fixe pour ce direct, c'est parce que bien évidemment pour la gymnastique masculine, c'est l'agrès le plus spectaculaire. Et voici une illustration avec un lâché salto avant corps tendu plus vrille rattrapé à la perfection par Cédric. Accélération, il prépare sa sortie, élévation dans l'espace, double arrière tendu avec double vrille et c'est pile juste. Bien posé, ça devrait donner une... Voilà, tandis que son entraîneur, Laurent Barbieri, le félicite à la descente de la grève. Ah oui, on a frôlé la perfection alors que je vois Nelson qui se prépare. Nelson, c'est à vous. Cédric, très très belle démonstration dans la grêle le plus spectaculaire. Vous sortez tout auréolé d'une excellente place aux Jeux méditerranéens et je suppose l'espoir de très bien faire aux championnats du monde qui arrive. Oui, c'est clair. Je me bats pour faire le meilleur de moi-même à chaque fois. Donner le meilleur aux agrès où je suis fort pour être sélectionné aux championnats du monde. Donc avec les Jeux méditerranéens, je marque des points et j'espère être en forme et prêt pour les championnats du monde. Beaucoup de confiance. Merci, Cédric.